ديت والين ودي تبع قواهين بربع تلفزيون لو انت رازول نسوفك يسون نسوف يسون غار تذويلتا ماينوف تذويلت السينما ذي بربع تلفزيون وثانو من تاويد دي سال نسيوسيا كنا التمليلين في ذيونين دي زانترفيون دي زانترتيان لو كذوي ذي قدشن ذو قحريش السينما اكني دينا ذي فازوران تذويلت ماينوف في كوال نتسملا لك كنا بوي ذي قدشن ذو قحريش السينما ذا ذاين اغديلا الدور ثقيان دا نملال السين يلمزيان يون ذا زيري تايوف تا فرانسيستيك خدمن احنا شاكين ويب دوكيمونتير كيرا نيسورا نغاني في دوكيمونتير تي كواش تولي فين كان نا لي فوتو في كان تاكي روح انا عارف مورثن الجزائر خدمن يوم دوكيمونتير يشفحن غاف الخدمه نتلاوينا ثيلاوين يخدمن يا الثما عند روحن وبند نيكزومبل نعم ديال كيوثن تمطوث ذا شوت الخدمه ينسى ما ذي وهران ما ذي تيميموني وارجلا ذي بقايف ذي الجزائر ثم ناث وغانا تسيون الدوكيمونتير الشبحان نكونين ملاريثون اللي ندو ولنسنا في قديش خدمن ذكرى نيسن فارن خدمن ناث ويذ يتاقينا كثرة سياغار زداث اكون جاغات تبعام في ذي ونيثي لان نغير دي لان يتسن ذاقي ذي بربر تلفزيون أزول في الأوان دونك كيف فرحات موحالي دونك جي في أ بي جي جي في سيونس إيكونومي إي بار لا سويت دونك جي في جي في لا فورماسيون بي جي أدوك دو لاسوسيسيون سينما إي ميموار كي إي دايوغ كي إي كريي إي ديريجي بار حبيب بجحنين إي لا أو جي رياليزي مون بروميي فيلم دوكيمونتير هوروزمون كو لو تون باس. C'est un film sur un ami qui a eu un accident lors du match de l'équipe nationale et ça raconte tout ce qu'il a subi à l'hôpital et le système hospitalier au fait en Algérie. Majid, ayem de kol tamzi. Younes, c'est le retrait de l'accident et qui est jeune de Tara. Est-ce ma kni de galat? دي الماتش ليكيب ناسيونال مدنا كو غالي نسا خامنسا خشيت خشمت غصريطا سقوس سنية ينبدا لكل شي صغورك نا صغوري السيا نوي غدا تخدمو غا الفيلم فلاك لكن ضحكو غا ينسى عدا صافا منيش تعدو راح نمس بسم الله خلص تمام بسم الله donc voilà et après j'ai fait la formation à Paris la formation de la FEMIS là où j'ai réalisé aussi mon court métrage Des vices sous silence qui raconte un petit peu des Français qui ont travaillé du côté des Algériens pour libérer le pays. J'ai 25 ans, je suis à Paris. Ici aussi, on parle du cinquantenaire de notre indépendance. À l'école, il n'y avait pas de nuances, pas de réserve, seulement un monde en noir et blanc, où la haine du colon était synonyme de la haine des Français. Mais ces Français oubliés de l'histoire officielle, qu'est-ce qui les a poussés à s'engager aux côtés des Algériens? Et après, j'ai travaillé avec ma femme, avec Carole, sur la réalisation et le montage du web documentaire Fatea, donc Femme au travail en Algérie.
En fait, le webdoc, c'est un nouveau format de documentaire sur Internet. Donc c'est Fatea, c'est Femmes au travail en Algérie. C'est 9 portraits de femmes sur Internet qui sont diffusés sur le site de TV5 Monde et aussi sur le site de El Watan en Algérie. Et donc on arrive sur une carte de l'Algérie, on a accès à 9 portraits de femmes qui travaillent sur tout le territoire algérien. Alger, Tamanrasset, Constantine, Ouargla, Timimoun. Et donc ces femmes, elles s'investissent, elles dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, elles voyagent. Et en fait, l'objectif de ce web documentaire, c'était de montrer des femmes algériennes qui font bouger un peu la société. Et c'était aussi l'envie de sortir de l'image de la femme algérienne qu'on a en France, toujours une image où la femme algérienne est une victime. Et donc c'était pour montrer que justement la femme algérienne n'est pas forcément une victime, qu'elle subit pas forcément, mais qu'elle fait tout, qu'elle met tout en œuvre pour faire bouger la société et pour avoir ses droits. Donc c'est un webdoc qu'on a réalisé avec Farhat en septembre, enfin à l'automne 2011. Il y a eu un an de montage à peu près, et puis ça a été diffusé sur le site de TV5 Monde fin décembre 2012. Là, actuellement, on fait des projections, c'est-à-dire qu'on utilise, comme il y a beaucoup de portraits, il y a 9 portraits, on prend des extraits de ces portraits, on fait un montage à part, et ensuite on fait des projections dans des cinémas. Voilà, et donc en mars, on fera une projection aussi à Marseille, à la maison de la région, avec l'association Forum Femmes Méditerranée, et c'est un temps fort sur les femmes. Et aussi le 8 février, on sera à Alger pour le présenter lors de la conférence FICRA qui se tient à l'hôtel Horacy. En fait, moi, j'ai une fille de pied noir, donc je voulais partir en Algérie et voir et travailler sur l'Algérie. Je suis journaliste à la base. Et pourquoi sur les femmes? Parce que je milite, enfin je milite pas, mais je suis engagée pour les droits des femmes. Et je voulais, voilà ce que j'ai dit. En 2001, il y a eu l'événement à Sim Es Saoud, c'est-à-dire c'est des hommes qui ont tabassé des femmes parce qu'elles travaillaient. Et, enfin c'était un contexte assez conservateur et elles étaient, enfin c'était un événement assez dur et très douloureux pour les femmes. Et donc ça, j'ai lu un livre là-dessus et ça m'a interrogée sur la condition des femmes en Algérie. Et je me suis dit, voilà, il faut pas montrer. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit, il faut pas montrer toujours cet aspect-là de victime parce que c'est pas ça la réalité. Et donc c'est ça ce que j'ai voulu montrer à travers le webdoc. Et pourquoi ce format? Parce que c'est un format qui permet d'aborder, déjà qui permet de créer un nouveau support, c'est-à-dire que c'est des diaporamas sonores en photo et entretien sonore. Donc ça permet de travailler le son, de travailler la photo. Et aussi, ça permet, c'est un support qui est multiple, qui permet de toucher, qui permet, comment dire, de montrer plusieurs aspects de l'Algérie. C'est-à-dire, si c'est juste un documentaire de 52 minutes, j'aurais pu faire un ou deux portraits de femmes, peut-être à Alger, et du coup, ça aurait été plutôt restrictif. Alors que là, ça permet d'avoir un panorama de l'Algérie où l'internaute peut se déplacer et voyager de chez lui à Tamanrasset ou à Constantine, enfin où il veut en Algérie en fait. Donc c'était le webdoc permet de. Ça offre une grande liberté aussi. Nous, en Algérie, on a pu prendre des photos où on voulait. La caméra, c'est quelque chose qui est assez bloquant des fois pour faire des interviews, surtout à propos. Pour les femmes. Du coup, ça nous offre une grande liberté et ça offre un grand panorama de choix à l'internaute. Il y a deux, en fait, deux problématiques ou bien deux difficultés. Il y a déjà le côté des femmes à arriver à les convaincre que de les prendre en photo ou bien d'accepter d'être prise en photo. Et il y a l'autre côté aussi, c'est par rapport, je veux dire, la police ou bien les autorités, parce qu'on est sans autorisation, je veux dire, sur le terrain et tout. Et du coup, quand on fait, je me rappelle par rapport à Oran, par exemple, et on voulait faire un portrait d'une sportive. Et du coup, on était en train de travailler dans le stade, là où elle travaille.
Et du coup, donc les responsables de stade, donc ils sont arrivés, ils nous demandent de nous, je veux dire, d'arrêter de travailler et de ne pas faire ce portrait jusqu'à ce qu'on aura une autorisation ou bien on signe des papiers, qu'on quoi, c'est, voilà, c'est. Et du coup, on a arrivé quand même à les convaincre qu'en quoi c'est pas. Apparemment, ils ont peur qu'on dénonce des trucs par rapport au stade, qu'en quoi il y a des budgets, il y a de la corruption, il y a des trucs comme ça. Ils ont pensé à ça alors que nous, on fait juste un portrait sur une femme qui fait du sport, je veux dire, qui essaye d'investir dans le sport en Algérie, quoi. Et donc voilà, donc on a trouvé pas mal de problèmes. Et aussi, je me rappelle à Timimoun aussi, c'était à la base, on voulait faire un portrait d'une femme à Tawarsit, c'est un village 10 km de Timimoun, mais c'est un village qui est un peu ils sont beaucoup plus conservateurs. Donc c'était un peu difficile même pour moi de rentrer et d'interviewer la femme. Donc ils n'acceptent pas la présence d'un homme. Et par la suite, en plus, elle parlait pas le français. Donc Carole, elle peut rien comprendre. Et du coup, c'était un peu difficile. Et aussi, elle voulait pas qu'elle se rende prise en photo. Donc, en fait, on tombait souvent sur des difficultés comme ça. Donc voilà, mais on n'abandonne pas, donc on continue pour faire le projet. En fait, on voulait toucher vraiment, enfin, pas tous les métiers, mais offrir un panorama assez large des métiers. Et du coup, en fonction des régions aussi, ça a influencé pas mal de choses. Généralement, elles étaient toutes en ville. C'était une étudiante, une psychologue, une professeure de sport. Au niveau plus rural, on va dire que c'était surtout dans le sud, à Tougourt, avec Nadjet qui est artisane et qui a créé sa boutique et qui fait travailler des femmes pour faire des châles et faire ce genre d'habits. Et c'était surtout Fatma Timimoun, qui est une dame qui est une grande figure qui est une figure de Timimoun que tout le monde connaît, et qui, elle, travaille son jardin depuis toujours, et qui, voilà, qui nous a montré l'agriculture traditionnelle à Timimoun. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec des femmes du Nord qui ont fait des études, ou qui... C'est vrai que ça n'a strictement rien à voir. Après, ce n'est pas forcément la différence urbain-rural qu'on voulait montrer, mais c'était surtout tous les panoramas des métiers, des traditions et des richesses, de la richesse culturelle en Algérie qu'on voulait montrer. Là, on travaille sur notre projet de nous raconter plus d'histoires. Donc c'est un projet de film qu'on essaye de préparer pour le 1er novembre 2014, donc qu'on essaye de le finir pour le 60e anniversaire de déclenchement de la guerre d'Algérie. Donc ce projet-là, donc à la base, donc nous on voulait le faire parce que en fait l'idée du projet, c'est que pour nous, les deux peuples, ils ont dépassé tout ça, je veux dire la guerre d'Algérie et tout ça, on a dépassé tout ça, mais c'est juste les États qui essayent de créer ou bien de monopoliser par rapport à ça, ou bien monter des histoires qui les arrangent, si je peux dire ça, parce que par rapport, il y a deux parties dans le film, donc il y a la partie algérienne, donc où l'Algérie, elle a essayé, elle a mythifié même l'histoire de la guerre d'Algérie. Et la deuxième partie, la partie française, où la France, elle voulait pas reconnaître aussi des horreurs qu'elle a fait en Algérie et tout ça. Donc dans les deux parties aussi, on essaye de traiter pas mal de points, tout en restant, je veux dire, tout en suivant nous-mêmes, moi et Carole, qui représentent la génération d'aujourd'hui, comme un dispositif dans le film. Peut-être plus parler un peu de la partie française, ça sera de montrer comment la mémoire pied-noir et la mémoire a influencé l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie, et aussi de montrer qu'il y a des pieds-noirs qui sont extrémistes à droite, c'est-à-dire qui sont près du Front National, mais il y a aussi qu'il y a des pieds-noirs qui sont plus ouverts et qui sont contre le colonialisme et qui aujourd'hui font venir par exemple des moudjahidines ou des appelés au lycée pour montrer aux élèves que la guerre d'Algérie, c'est pas aussi simple que ça, et pour expliquer un peu plus la guerre d'Algérie.
Et voilà, et au niveau. Et donc le film en fait suivra notre parcours où on part de nous ce qu'on nous a appris et ensuite comment on découvre au fur et à mesure que non, ce qu'on nous a appris au début, que ce soit pour Farhat ou pour moi, c'est pas forcément vrai et que c'est en découvrant et en cherchant par nous-mêmes qu'on arrive à comprendre une histoire qui est un peu plus apaisée en fait que celle qu'on nous a apprise. ولم ضغى ثمل اللي ثقيه وثولم ضغى من الشورا كل دفاع من الدور ثقيه ذويلت ما ينزلني فان نصاب بعض ثقيرة نتذويلت الدور ثقيه فالمرثي كونوي في دفاع فالمرثي عيسى يقل لنا ثقي عارو شوفا نتذويلت دملا لا يدون ذي ثلاثين إقارزن قوهي المبربية تلفزيون قث إقارزن أرثفاث